Ok, merci. Troisième point de presse, depuis environ 2 mois que la police l'a présenté, ou encore tout premier point de presse a présenté par votre parole. Tant que nous connaissons déjà, depuis 27 août 2024, ça fait environ 7 jours. Depuis que plusieurs unités dans la police là, qui joignent appui, bien sûr, la RSS, les forces armées d'Haïti, comment la police là a profité pour renouveler détermination pour combattre le banditisme sur toute l'étendue du territoire, avec mariage. Police population, oui, c'est possible. Nous commençons ensemble, nous avançons ensemble et nous arrivons faire ensemble. Merci la presse, moi prenez en pile dans nous à ton bilan. Ça vient de là, de fil en aiguille, au terme de l'opération, nous sommes capables de présenter le bilan. Nous remercions parce que nous sommes venus. Merci à votre parole, Forces armées d'Haïti, qui honore nous par présence dans le cadre de ça. Merci à votre parole et contingent Kenyan, frère, nos amis, nous. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Et l'armée d'Haïti qui rejoint, qui appuie l'unité spécialisée PNH là pour mener l'opération ça. Et c'est pour ça que nous prenons presse aujourd'hui. Moi, pas contre moi. Moi, gagné le commissaire de police, Jacques Oumbaka, porte-parole de la multinationale de sécurité et de soutien. Nous gagnons tout le lieutenant Gabel Juni Loura, porte-parole de la Forces armées d'Haïti. Nous pas rencontrer qu'on y a là une prise aller de bilan opération cap mener un grand bloc comme va citer là puisque opération pas finie mais nous là tout au moins d'abord pour te présenter nous et porte-parole entité qui fait synergie avec PNH là pour mener opération. Pour commencer avec une grande série d'opérations, certainement qu'il y a quelqu'un qui est venu. Et dans ce second temps, faire au moins une mise au point sur l'état d'avancement opération qui a mené depuis environ 7 jours. On va commencer par parler des objectifs opération ça. Objectif opération ça, c'est d'abord récupérer l'espace que Bandio occupait depuis plus de 3 ans. Mettez-le hors d'état de nuire. Garantir enfin la circulation monde et bien dans l'espace. Qui espace pour ça, opération ça concerne? C'est Badelma, Bel Air, Fort National et Solino. Population doit connaître jusqu'à date l'opération a bien avancé. D'abord, force de l'ordre fait un usage adéquat sur l'île de l'ensemble de matériel qui est impliqué dans l'opération SAR. C'est comme ça. Il est arrivé à libérer plusieurs espaces que la population n'a pas accès.
y a parti dans le Front National plus ou moins libéré dans le troisième point de presse depuis environ deux mois que la police l'a présenté ou encore tout premier point de presse qu'a présenté par votre parole. Tant que nous connaissons déjà, depuis 27 août 2024, ça fait environ 7 jours depuis que plusieurs unités dans la police là, qui joignent appui, bien sûr, la RSS, les forces armées d'Haïti, barrent avec la police. Dans plusieurs points de cachette, Bandio a utilisé plusieurs espaces, tant à la fois public que privé, pour être capable de mener action criminelle et permettre empêcher la population de vaquer à l'activité. La police, dans le cadre d'opération, a libéré l'espace et plusieurs bandits arrivent stopper après échange de tir. Il y a un bagage qui est important, nous avons besoin d'attirer l'attention de la population, c'est que contrairement à ce qu'on fait dans le passé, nous ne sommes pas contentés non seulement de libérer les spatiaux, mais